Sportoase is veel meer dan sport alleen. Goedenavond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Tubeke. Antwerp verloor die met 1-3 en eindigde de wedstrijd ook met 9 spelers. We zitten hier met beide coaches om nog na te praten. We geven het woord eerst aan Dante Brogno, de coach van Tubeke. Monsieur Brogno, à vous la parole. Merci. Excusez-moi, je vais faire ça en français parce que mon néerlandais n'est pas très très bien. Donc, oui, victoire, je dirais à la fin logique, avec 11 contre 9. Tubize n'a pas demandé que l'Antwerp soit à 9 pendant presque 55 minutes. C'est vrai qu'à la mi-temps, j'ai fait passer un gros message aux joueurs en disant que nous étions aussi à 11 contre 10 à Saint-Tron il y a exactement 3 mois. Et Saint-Tron a gagné à 10 contre 11. Et donc j'ai fait passer ce message et j'ai dit pas une deuxième fois. Et depuis cette défaite à Saint-Tron, ça fait maintenant presque 13 matchs que nous sommes sans défaite et nous sommes dans le top 5 pour une petite équipe comme Tubize avec le plus petit budget peut-être de la deuxième division. Avec des garçons sur le banc qui sont rentrés avec 16 ans et 17 ans. Puis ben, c'est sur le match, oui, l'Antwerp a tout pour bien commencer. Et ce premier but après une minute sur corner nous met en difficulté. Et après, il n'y a plus eu de gré à l'occasion ni de l'Antwerp ni de Tubize. Deux corners en première mi-temps pour deux buts. C'est les seuls dangers et efficaces que ces deux équipes ont eu. Par contre, en deuxième mi-temps, avec notre supériorité numérique, on a su gérer la pression du public, la pression de l'arbitre, la pression peut-être que de finir aussi nous à 10. Et donc, on est resté calme, lucide, concentré. Et on a marqué ce deuxième but logique et mérité. Et le score aurait pu être beaucoup plus lourd dans les chiffres. Mais avec le respect que j'ai pour ce club, où j'ai joué contre plusieurs fois. Donc pour moi, c'est un club mythique. Et il y a 3 ans, nous sommes venus gagner avec Tubize encore. Et c'était aussi 0-1 après une minute. Et nous gagnons 2-3. Et donc, c'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs à la mi-temps. Il y a 2 ans, nous sommes venus ici. C'était même scénario, 0-1. Et nous finissons 2-3. Et aujourd'hui, on finit 1-3. Voilà, je vais vraiment dans le vif du sujet en disant que c'est mérité et que les garçons ont fait, je dirais, le match parfait, même si en premier mi-temps, ce n'était pas agréable peut-être pour le public. Pour faire un stand. Monsieur Brogno, une demi-heure avant le jeu, vous avez éteint la lumière dans la vestiaire, vous avez montré des images, vous faites ça toujours. Oui, ouais, c'est des choses qu'on l'a fait, surtout sur le plan mental. Hier, c'était 45 minutes de vidéo sur l'adversaire. Et aujourd'hui, c'était motivation, plan mental, spirit offensif. Et vous avez entendu ça? Non, je l'ai vu. Il y a des trous partout ici. C'est le stade. Le stade est peut-être trop vieux, donc c'est... Peut-être le vent a soufflé fort et il y a eu des portes ou des plaques qui se sont ouvertes, mais oui, on a quelle image vous montrez, par exemple des images positives de nous, parce que nous faisons actuellement, nous avons 15 sur 15 et on n'a plus perdu depuis le 10 novembre à Saint-Tron et nous avons fini deuxième de la deuxième tranche à 3 points de Westerlo. Où nous menions 2-0 contre Westerlo et à 6 minutes de la fin, ils ont fait rentrer deux grands joueurs d'un mètre 92 et nous, la taille, c'est pas notre point fort et c'est eux qui gagnent dans les 16 mètres ces deux ballons de la tête pour faire 2-2 et on perd la tranche parce que au mois de mai, on aurait pu peut-être dire on va jouer le tour final pour monter en première division. Tubize, oui. C'est qui Tubize? C'est quoi? Mais on essaye de travailler très bien. Et vous avez vu alors les images, donc vous pouvez peut-être expliquer ce que vous avez vu. Hein. J'ai pas vu les images, j'ai vu que la lumière était éteinte. Ah, ok. J'ai parlé avec le monde.
Ça m'a impressionné. Non, mais c'est simplement parce qu'on travaille aussi le plan mental. On sait que les joueurs sont peut-être des fois fragiles et on montre des images positives et de peut-être gagner cette troisième tranche parce qu'on a fini deuxième de la deuxième et la première tranche, les 10 premiers matchs, j'ai dû un petit peu, bricoler pour tenir une équipe et puis les joueurs sont arrivés de blessure et en forme et voilà, donc c'est un plan mental pour être bien quand on monte à l'échauffement, pour avoir le réservoir mental plein pour affronter cette pression du public où on est resté calme parce que c'est important de pas prendre de carte rouge ici, parce que si tu prends une carte rouge ici avec le public, c'est fini, tu gagnes pas avec l'expérience que je connais ici, donc tu gagnes jamais. Mais là on sort d'un 15 sur 15, donc j'ai deux joueurs suspendus la semaine prochaine, Lonsana comme attaquant et Sofiane Kayari milieu de terrain offensif. Mais aujourd'hui Gary Ambroise était suspendu aussi, donc je voulais un à la fois, mais ok, on en a deux, c'est pour la semaine prochaine contre Alost. Et je vais passer un bon week-end, demain je vais voir mon fils à Lommel, à Dessel, c'est 200 km de la maison, ça va, hein? 400 km demain. Mais allez, c'est comme on a gagné aujourd'hui, c'est avec plaisir. Et j'ai donné congé dimanche, demain, et lundi. Et puis 4 jours de travail pour préparer à l'Ost. Et